L'actualité reste marquée par l'inauguration ce mardi au Bandundu du parc agro-industriel de Bukangalonzo par le chef de l'État Joseph Kabila. Vaste de 80 000 hectares, il vise à favoriser l'accroissement du volume de production à un coût moindre et réduire la dépendance du pays aux importations des biens alimentaires. Ça y est, le chef de l'État vient de lancer officiellement le parc agro-industriel de Bukangalonzo, à environ 220 km à l'est de Kinshasa. Attention, bien, attention. Situé dans le territoire de Kenge, dans la province du Bandundu, le parc de Bukangalonzo s'étend sur 80 000 hectares. Choisi pour son potentiel de production à très haute valeur ajoutée, terre arable à fort rendement, disponibilité en eau, et facilité d'irrigation, proximité avec la ville de Kinshasa qui constitue un grand marché de plus de 10 millions de personnes. Désormais, ce mardi 15 juillet 2014 et Bukangalonzo signifieront aussi dans notre pays la relance de l'industrie agroalimentaire. Bukangalonzo s'insère dans le même réseau associatif qu'un autre concept mobilisateur qui constitue le fondement de l'action gouvernementale, la révolution de la modernité. Ce plan national d'investissement agricole vise ou cible les indicateurs ci-après à l'horizon 2020. La réduction de la proportion de Congolais souffrant de la faim à moins de 20% contre plus de 54% en 2013. L'amélioration des producteurs, des revenus des producteurs agricoles à plus de 100%. Un taux supérieur à 6% de la croissance du produit intérieur brut interne au secteur agricole. Le gouvernement congolais, à travers la révolution de la modernité, a fait du secteur agricole la priorité fondamentale de son plan de développement national destiné à faire de la RDC un pays émergent à l'horizon 2030. À terme, à travers ce vaste programme, il est prévu le lancement de 20 parcs agro-industriels afin de mettre en valeur le potentiel agricole énorme de la RDC. Pour cette vision de faire quitter la RDC de l'ère de l'agriculture des subsistances pour entrer dans celle de l'agro-industrie, le gouvernement a mobilisé 83 millions de dollars américains et va mobiliser une main d'œuvre congolaise abondante. Une société mixte récemment créée, la Sopagri, est chargée de fournir les services, les équipements et les intrants agricoles pour ce site dont la gestion a été confiée à un consortium sud-africain, Africom. Les premiers semis et plantations des maïs et haricots doivent avoir lieu en septembre pour une récolte aux alentours des février et mars 2015. En sauvant le Nord Kivu cette fois pour parler du lancement ce mardi à Goma de l'opération de contrôle des permis de séjour pour les étrangers, particulièrement les ressortissants des pays de la région des Grands Lacs. C'est la police des étrangers de la Direction générale des migrations qui a donné ce go. Ceux parmi eux ne possédant pas encore ce document seront soumis au paiement des amendes. 100 à 150 dollars américains, c'est la somme que payera dès ce mercredi comme amende tout étranger résident à Goma sans permis de séjour. Cette information a été confiée à Radio Okapi par le responsable de la Direction générale de migration. Selon cette source, la plupart des étrangers concernés pour le moment par cette opération sont des Rwandais déjà identifiés et leur lieu de travail connu, mais elle devra s'étendre à d'autres expatriés. La police des étrangers, appuyée par celle de frontières, va passer à chaque endroit où travaillent les concernés pour le contrôle des permis de séjour. Pour certaines sources, cette opération risque cependant de connaître quelques difficultés, d'autant plus que certains Rwandais possèdent à la fois les pièces d'identité rwandaises et congolaises. Une fois sur le sol congolais, ils se servent des cartes d'identité congolaises, ce qui risque de semer la confusion. Au moins 14 000 étrangers traversent quotidiennement la frontière congolo-rwandaise pour la RDC à partir du poste appelé Petite Barrière. Parmi eux, près de 6 000 travailleurs et étudiants rwandais à Goma. D'autre part, au niveau du poste frontalier dit Grande Barrière, ce sont plus de 1 000 Rwandais qui y traversent quotidiennement.
La relation bilatérale entre la France et la RDC est forte, dense et riche. La preuve, l'ENA, École nationale de l'administration congolaise, le succès de la semaine française à Kinshasa et le triangle élection stabilité et sécurité. La déclaration est de Luc Allad, ambassadeur de France en RDC. C'était lundi dans la soirée en sa résidence à l'occasion de la commémoration de la fête nationale de son pays. Sur le plan sécuritaire, il a salué au nom de son pays la montée en puissance des FRDC qui ont démontré le 30 juin dernier leur capacité de réorganisation en hommes, en armes. Il faut signaler que Luc Allad a aussi salué la nomination des juges de la Cour constitutionnelle en RDC. Hausse du prix de carburant à Kinshasa, la commission tarifaire du transport en commun a saisi le gouverneur de la ville de Kinshasa pour convoquer une réunion pour un éventuel réajustement. L'un des membres de cette structure, Henri Lusumbu, indique que cette commission doit se réunir pour statuer sur le prix du transport quand celui de l'essence augmente d'au moins 10%. C'était prévisible. Comme à chaque fois que le prix du carburant prend de l'ascenseur, celui du transport en commun suit invariablement. La population résignée l'attend arriver. La hausse du prix du carburant, ça va influencer le coût de la vie. Certainement, comme moi j'habite aux zones, de la zone à Gambela, on payait 450, mais dernièrement, hier, j'ai payé 500. Voilà, donc ça a influencé déjà la vie. La nouvelle peut me surprendre parce que, commençons d'abord, il faudrait qu'on puisse quand même majorer aussi le salaire. Parce que lorsque le salaire reste seulement au niveau où la personne ne peut que recevoir ce qu'il a toujours reçu depuis longtemps, et quand le transport va monter à cause du carburant, la personne ne va plus garder le même équilibre de son salaire. Le gouvernement doit faire quelque chose pour qu'il régularise la situation du transport. Pourtant, officiellement, il n'en est encore rien. Même que le ministre de l'économie a tenu à rassurer la population sur le maintien en l'état des prix du transport. Mais d'après le représentant de l'association de chauffeurs, une note technique a déjà été envoyée à l'hôtel de ville pour que le gouverneur de la ville puisse convoquer la commission tarifaire afin de débattre du prix de la course en taxi et taxibus. C'est depuis la fin de la semaine passée que le litre de l'essence est passé de 1400 à 1475 francs congolais, une hausse de 5%. Cette hausse serait due, dit-on, aux facteurs exogènes, notamment la fermeture des grandes raffineries internationales et la situation sécuritaire au Proche-Orient qui a créé une rareté sur le marché. De l'éducation dans ce journal Examen d'État édition 2013-2014, sachez que depuis lundi tard qu'a débuté la publication des résultats. Jusque-là, seuls les résultats de toutes les filières des écoles de la capitale ont été annoncés. Quant à la réussite, on parle de 58% enregistré par rapport à l'année passée où Kinshasa avait enregistré 54% de réussite. Mais on déplore tout de même des antivaleurs auxquelles se livrent les élèves après publication de ces résultats mettant en danger leur vie. Nos reporters ont fait le constat. Je suis très ravi, là, je suis très émotionné. Je ne sais même pas, je peux pleurer. Émotion, joie, cri, mais à côté, il y a aussi la consternation. Voilà les expressions constatées dans les rues de Kinshasa à l'annonce de la publication des résultats de l'examen d'État édition 2013-2014. Ah, en tout cas, je suis trop contente. On a vraiment travaillé, le fruit de notre travail est là. Et je remercie tous les membres du gouvernement de nous avoir donné les résultats très tôt comme ça. Et je suis très content. Courage à celles qui n'ont pas réussi. Enfin, c'est des choses qui arrivent. Dans cette ambiance de fête, l'enivrement, l'obscénité, ajoutée à la fougue inhérente à leur âge, prennent parfois le dessus roulant à tombeau ouvert des comportements pourtant interdits par le gouvernement provincial. Mais parmi eux, il y a aussi ceux qui sont encore lucides. Moi, je vais leur conseiller, s'ils ont réussi, donc ça serait mieux d'aller fêter calmement et pas de faire de bêtises. Pour cette édition, le taux de réussite est de 58% dans la capitale, sur un total de 120 258 finalistes, légèrement en hausse par rapport à la précédente. La meilleure note a été réalisée par l'Institut Mohamba, où le premier a obtenu 90% des points.
Et dans l'autre temps, sachez que l'organisation des kermesses et autres manifestations foraines dans des espaces scolaires est interdite sur toute l'étendue de la capitale. Décision du gouvernement provincial qui l'a fait savoir au cours de son conseil des ministres de lundi. Plusieurs écoles organisent des kermesses pendant les vacances à travers la ville de Kinshasa. Mais ce genre de manifestation est, selon le gouvernement provincial, à la base de plusieurs désagréments, notamment le vandalisme des mobiliers scolaires, le bouchage des toilettes et la malpropreté de la cour scolaire. Ces kermesses empêchent aussi les responsables d'école d'assurer un travail minimum et d'accomplir certaines tâches liées à cette période de vacances. Le conseil de ministres a également évoqué la question sur les comportements excessifs sur la voie publique lors de la publication des résultats de l'examen d'État débuté hier lundi pour la province de Kinshasa, promettant par ailleurs des sanctions contre toute manifestation susceptible de troubler l'ordre public. Autre pratique défendue au cours du conseil des ministres de lundi, l'exploitation des champs dans le long des voies artères. Les maraîchères et maraîchers ont donc jusqu'à la fin de ce mois de juillet pour libérer ces espaces afin de permettre au gouvernement de Kinshasa de poursuivre son programme d'embellissement de la ville de Kinshasa. On se quitte avec du sport athlétisme. Le coup d'envoi du 13e championnat national d'athlétisme sera lancé ce 18 juillet comme prévu. Cette édition qui ira du 18 au 20 de ce mois se déroulera conjointement à Lubumbashi et Kipushi dans le Katanga avec plus ou moins 17 épreuves. L'annonce a été faite par le président de la Fédération d'athlétisme du Congo. Bienvenue Matenda. Le rendez-vous pris par la Fédération d'athlétisme du Congo va être respecté. La ville de Lubumbashi et Kipushi abrite le 13e championnat national d'athlétisme. Nous avons eu à envoyer déjà la délégation du comité fédéral qui est arrivée et le premier vice-président qui dirige la délégation est déjà sur place. Aussi, quelques membres sont déjà sur place et d'autres ligues qui se sont fait annoncer et qui se trouvent déjà sur place à Lubumbashi. Au total, 8 provinces ont confirmé leur participation. Et nous avons reçu l'hospitalité du gouvernement provincial du Katanga qui est en train de se battre bec et ongles pour que cette cérémonie d'ouverture et que ces travaux au niveau des festivités de meetings se tiennent sérieusement à Lubumbashi. Et il faut dire que ces meetings se tiennent sous le credo de la détection des talents. Parce que d'ici le mois d'août, les 10 exactement, nous allons participer au meeting aux Jeux qui s'étiendront à Marrakech au Maroc. Élu depuis mars dernier, c'est la première activité nationale qu'organise la Fédération d'athlétisme du Congo et c'est la province du Katanga qui a été retenue. Nous avons voulu le faire au Katanga parce que sur le plan infrastructure, c'est Katanga qui présente un peu de potentialité, de différentes pistes, etc. Mais Kinshasa, pour le moment, on est en train de réfectionner l'histoire de Marti qui pouvait nous accueillir. On s'était dit qu'on ne pouvait pas rester comme ça, ça pour autant qu'on organise cette cérémonie. C'est pourquoi on a choisi le Katanga. Une expérience qui sera bénéfique pour les athlètes qui seront sélectionnés pour les Jeux provus au Maroc. Voilà, c'est sur cette note sportive que se referme cette édition du journal. On se retrouve très vite pour la revue de presse.